Alors, très heureux de conduire cette liste pour les élections municipales à venir sur la nouvelle commune de Sévérac-d'Aveyron. Notre liste s'appelle Agir ensemble pour Sévérac-d'Aveyron et je suis particulièrement fier de conduire cette équipe dans la mesure où elle est d'une part sans connotation politique, on l'a dit, mais également très équilibrée en termes d'élus déjà en fonction. Et également un apport de nouveaux élus, la plupart très jeunes, qui vont amener tout leur dynamisme et toutes leurs idées nouvelles qui nous permettront d'avancer dans le sens que l'on souhaite pour la commune de Sévérac-d'Aveyron. Je suis aussi particulièrement heureux de pouvoir compter et m'appuyer sur mes collègues qui sont à côté de moi, là, Olivier, Raymond, Georgette et Joël, qui seront nos maires délégués des communes historiques. Nous tenons beaucoup à ce que les communes historiques gardent leur identité. C'est ce qu'on avait convenu lors de la signature de la charte à la création de la commune nouvelle. Et aujourd'hui, nous affichons clairement qui seront, si nous gagnons les élections, qui seront les maires délégués des communes historiques. C'est un point sur lequel nous insisterons parce que nous y tenons beaucoup. Les communes historiques doivent garder leur identité. C'est pour cela aussi que nous sommes appliqués à avoir un équilibre dans la représentation de chacune des communes. Je crois que ce n'est pas tout à fait le cas de certains de nos concurrents. Nous tenons absolument à ce que les communes historiques gardent leur identité et que les populations puissent se rendre à leur commune avec des permanences, comme c'est le cas aujourd'hui, des permanences un peu espacées, mais qui laissent la porte de la mairie ouverte à chacun et chacune des citoyens attachés à leur commune historique. Je m'étais occupé du remembrement dans les années 80 et à l'heure actuelle, il me semble que le PLUI serait intéressant parce que je suis vraiment un homme de terrain et tout me plaît quand il faut rencontrer les gens et participer à la nouvelle carte de ce PLUI. Donc, en tant que maire délégué responsable des finances à la dernière mandature, je voudrais souligner la situation financière de notre commune qui, je pense, est très saine. Nous avons essayé durant ce mandat de ne pas augmenter les taux d'imposition. Les travaux ont été réalisés sur la plupart sur les 5 communes historiques. Au niveau de. Il y a eu besoin d'ajuster certains taux, notamment au niveau de l'assainissement. Donc nous avons là aussi essayé d'harmoniser, de lisser dans le temps, puisque nous savons que ce n'est pas chose facile du jour au lendemain pour le contribuable. Donc voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui et je pense qu'elle permettra pour l'équipe, quelle qu'elle soit à l'avenir, de pouvoir continuer à réaliser des investissements sur le Sévéragais. Notre EHPAD a toute notre attention. Surtout auprès des résidents et du personnel, nous serons toujours à leur écoute malgré le manque de dotations qui nous sont allouées. Alors, c'est parce que notre commune nouvelle présente des atouts et des enjeux indéniables que je suis enthousiaste à poursuivre mon engagement auprès de la population et contribuer à son développement, notamment sur les dossiers que sont la santé, l'économie. Suivre aussi les associations parce que les associations dans les villages sont très importantes pour la vie de nos communes historiques, tout comme celle de Sévérac, où il y a des événements très importants. Et à suivre aussi, mon investissement se poursuivra si on est élu, bien évidemment, sur la communauté de communes, sur l'habitat. Moi, j'habite à la cité médiévale où il fait très bon vivre. J'ai la chance d'y élever 3 enfants. Je trouve notre territoire riche d'équipements, de services et d'associations et j'aimerais tout simplement participer et m'investir pour notre belle commune. Un problème prégnant sur le Sévéraguet est le manque de médecins généralistes. Ce n'est pas particulier à Sévérac, malheureusement, le problème est national.
La municipalité n'a pas les possibilités de recruter directement des médecins. Cependant, nous avons fait des efforts pour accompagner le cabinet médical en mettant à disposition un logement gratuit et parfaitement équipé pour accueillir les remplaçants et les internes. En parallèle, nous avons lancé un recrutement à travers un cabinet spécialisé. D'ici fin mars, en accord avec le cabinet médical, un médecin va venir visiter notre territoire et peut-être, on le souhaite, s'installer. Le milieu associatif est très important pour notre liste, car nombre de ces associations font preuve d'un dynamisme énorme sur la commune de Sévrac-d'Aveyron, ce qui se voit avec le nombre d'adhérents et surtout parmi les jeunes. Notre équipe, menée par Camille Guilhemer, apportera tout son soutien aux associations. Élu à la Panouse depuis maintenant de nombreuses années et à Sévérac-d'Aveyron depuis sa création en 2016, je me suis toujours engagé au service des habitants et je souhaite poursuivre dans cette dynamique. Je me suis toujours investi dans les écoles et aujourd'hui quelques craintes arrivent notamment sur les effectifs de la Panouse et je crois que nous devons tous nous motiver, nous mobiliser pour maintenir nos écoles. De nombreux chantiers sont en cours. Il y en a encore pas mal à venir et qu'on doit poursuivre. Et le dynamisme des nouveaux et l'expérience des anciens doivent permettre à chacun d'aller de l'avant. Et pour moi, la création du pôle culturel au centre de Sévérac sera très, très porteur, aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes. Gestionnaire de gîtes sur le territoire de Sévérac-d'Aveyron, je suis persuadée de son fort potentiel touristique et patrimonial et je souhaite participer à son développement. Donc pour la liste Agir ensemble pour Sévérac-d'Aveyron, au niveau économique, l'idée est de mettre en valeur la situation géographique stratégique de Sévérac en promouvant donc le développement de la zone artisanale des Cases qui fait 7 hectares et celle des Martelliès qui fait 3 hectares en partenariat avec la communauté de communes d'Écosse à l'Aubrac. Notre idée est également de soutenir les acteurs économiques locaux, que ce soit les artisans, les commerçants, les agriculteurs, en travaillant en partenariat avec eux et en organisant des rencontres régulières avec eux, et enfin de développer le marché hebdomadaire du jeudi matin. Alors, très impliqué dans le milieu associatif, il est important pour la nouvelle commune d'investir à nouveau dans les associations à travers des aides. En conclusion, j'appelle les Sévéraguais à nous faire confiance, parce que grâce à l'expérience des élus actuellement en place et l'apport, comme je l'ai dit, des nouveaux candidats, nous serons tout de suite opérationnels le lendemain des élections pour continuer le travail entrepris, l'amplifier, l'améliorer aussi, en communiquant peut-être mieux et en expliquant toutes nos actions. Faites-nous confiance, nous sommes là pour servir le Sévéraguais sans arrière-pensée ni personnelle ni politique.